Les années 80, c'était pas comme les années 60. C'était plus difficile. Parce que, en fait, les années 80, c'était plutôt les années de ma carrière internationale. C'était les années des États-Unis, c'était les années du Japon, les années de... Mais en France, j'avais perdu un petit peu le fil. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'attirais pas les jeunes. J'ai eu une baisse dans les années 80, évidente. Et puis après, en 90, je suis un petit peu revenu. J'ai eu une baisse pas énorme, mais enfin, quand même, je vivais sur les chansons antérieures. Comme d'ailleurs maintenant, jusqu'à présent, ce sont mes premières chansons qui sont les piliers de ma carrière. Parce que sans mes premières chansons, je ne serais pas devenu Enrico Macias.